Oh, c'est goué. Oh, c'est goué. Nous sommes ici dans le rassemblement pour Occupons Montréal, qui se passe en même temps que dans 1700 autres villes autour du monde. C'est un rassemblement historique. Comme vous voyez, c'est une ambiance assez pacifique. Il y a beaucoup d'enfants ici. Il y a des ateliers. En fait, nous, on a ici un point d'accueil qui s'appelle We Are Thinking, le What Hub. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est la multiplication d'espaces de réflexion collective et créative, donc à travers les arts, des activités ludiques ou aussi des forums de débat. Là, il y a, comme vous pouvez peut-être voir, il y a des campements qui commencent à s'installer, des tentes. Les gens, il y a une énorme solidarité. Je suis arrivée, quelqu'un m'a offert un café tout chaud. Il y a de la bouffe qui se prépare, il y a un espace, il y a toutes sortes de choses qui se préparent. Beaucoup de rencontres aussi. Il y a eu des assemblées générales depuis 2 semaines, donc ça fait juste 2 semaines que ça s'organise. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de porte-parole, on est tous un petit peu pour manifester notre ras-le-bol ensemble et on verra ce que ça va donner. Il y a de la coordination dans le sens où il y a de la communication entre les gens qui font les différentes choses, mais c'est pas vraiment supposé être un... Il n'y a pas de leadership unique ou quoi que ce soit, le leadership est encouragé au sein de tout le monde. Pas de courant politique, pas de syndicat, pas d'organisation. Je veux dire, les gens individuellement sont vraiment bienvenus à venir ici, mais il n'y a pas vraiment d'organisation, de structure déjà établie qui chapeaute l'Occupant Montréal. Apparemment, le sport est comme dans les milieux, là. Utilities go up every semester, yet the corporate tax rate goes down. Des gens qui, comme moi, sont tannés, indignés. J'avais envie de participer à ce mouvement-là à titre citoyen. J'avais envie de sentir le pouls aussi. J'avais envie de voir qui partageait cette indignation-là. Puis quand je suis arrivé tantôt, il n'y avait pas beaucoup de monde encore. Là, ça commence à se gonfler. Ça fait 2 heures que je suis ici. Et je suis content de voir que ça vient de partout, que c'est pas seulement des jeunes et des marginaux, mais des travailleurs, des gens de la classe moyenne pour ce qui en reste. Puis de sentir que c'est un premier balbutiement ici à Montréal, ça me fait beaucoup plaisir de sentir que l'impression que l'utopie est en marche en ce moment un peu partout dans le monde, que ça s'essaime tranquillement, puis qu'il y a quelque chose, j'ose espérer, j'espère en fait profondément que quelque chose est en marche en ce moment. C'est pour ça que je suis ici. À terre, pendant le soulèvement arabe, alors nous faisons un atelier ici. Radio. There's been broadcasting people's movements and struggles for 25 years here in Montreal. أنا بحالي بحال الكنديين والكيبيكوا كاملين جاي ضد ال 1% كي دومين هذا لو موند لي ريشيز ديال هذا لو موند هذا والناس لي 99% سون ريان. Mais aussi parce que je suis musulman, là, je veux échanger avec ces gens, je veux leur montrer l'islam. Je pense que dans leur cœur, des milliers,
sinon des millions de Québécois aujourd'hui sont très sympathiques à la cause de tous les gens, des jeunes qui sont ici, parce que beaucoup de gens réalisent que ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas continuer à permettre qu'une petite minorité de gens très riches, très puissants, décident à la place de nos démocraties, décident de notre destin, décident des grands projets de société. Regardez un peu ce qui se passe actuellement avec le gouvernement libéral actuel au Québec ou le gouvernement Harper au Canada. On voit qu'une petite minorité, par exemple au Canada, l'industrie pétrolière, l'industrie de l'armement, les banquiers, puis au niveau du Québec, on voit le milieu de la construction, Génie Conseil, l'industrie pharmaceutique, qui ont des lobbies tellement puissants. Et en plus, à travers le financement de ces partis-là, ont pris le contrôle des décisions. C'est eux qui décident, plutôt que de, par exemple, de prendre le virage de l'environnement, des nouvelles énergies, des transports en commun, une économie au service des citoyens, on continue dans le vieux modèle d'une économie qui est au service d'une minorité de riches. Et ça, les gens en ont marre. Puis est venu le temps où les gens se disent, ben, si les Arabes peuvent se débarrasser de leur dictature, peuvent se débarrasser de ceux qui contrôlent leur société, même si on n'a pas de dictature ici, on peut rêver à se débarrasser de ceux qui veulent contrôler nos sociétés, qui veulent contrôler nos démocraties, c'est-à-dire la minorité possidente.